santé, prospérité. Mon cher, ça c'est Gary de Rosier, c'est mon frère, c'est mon ami. Mais malheureusement, le n'a pas la parole, va la changer. Adieu. Santé, prospérité, toutes les bonnes choses pour année 2022, un porte-parole. Boukate la parole. Merci, même pas quand rien changé. Et n'a toujours été frais parce que de toute façon, nous c'est haïtiens et c'est nous qui comptons nous. Et moi, je connais qu'on travaille quoi fait, qui est important. Et c'est normal pour faire travailler parce que la presse a une fonction en démocratie. Et il faut que nous connaissions ça, il faut nous connaître. Et je crois que nous-mêmes, nous sommes pour ça tout. Et tout le monde avant nous, que Liliane, que Marvel, que Sony qui mourir, et qui mourir malheureusement, et nous sommes pour liberté, ça je veux dire. Et au niveau de la police nationale, nous avons toujours dit que la presse, surtout espace côté moyen, là, Paléa, c'est partenaire. Merci un pile, Gary Desrosiers. Et Carl Steven Félix, c'est un policier. Et information, tu as fait quoi que la police t'a arrêté Carl Steven Félix? Est-ce que c'est confirmé? Écoute-moi, moi-même, je vais parler avec des données d'appréciation, je vais parler avec preuves. Effectivement, moi, well, à travers les réseaux, moi, j'ai essayé à plusieurs reprises de joindre les responsables au niveau du CPJ, mais vu l'activité que je vous dis au niveau de la police et ANL, de rencontrer. Et tout ça, et pas vraiment, et touché des épiches. Mais par contre, nous connaissons que nous relèvons pour question, quoi, des bouquets, pour opération qui lancent depuis bien des jours. Mais on peut toujours le faire si après une interview ou au moins quelques minutes juste pour vérifier. Avec plaisir, m'a permis de confirmer, mais il faut me dire que, mon source parallèle et de la police qui confirme même qu'il a arrêté Félix Carl Steven. Félix Carl Steven qui, t'es gagné des gangs, des mouns qui n'ont gang, notamment gang TG, qui était déjà cité nos monsieur comme mouns qui était contre porter munitions pour eux et autres n'a gagné pour nous, ouais, ça encore. Merci parce qu'on a confirmé pour nous. Et selon l'information, la police mené en gros. Il y aurait le coup qu'une chaîne opération dans base 400 Marozo dans zone quoi des bouquets. Moi regarder image yo qui est sorti dans bureau communique en fait bureau communication qui parlait de arrestation quatre monde gonsa arrêté, mais on l'autre bord nous parlait tout de plusieurs soldats 400 Marozo qui t'a perdu la vie. Et est-ce que Gary Desrosiers porte-parole ou un bilan opération la police menée hier là? Et moi pas de bilan total là, même cas bon partiel là, effectivement, et 4 mois à yo arrêté yo, yo pour le moment, dans le commissariat, et au niveau investigation, et cuisine yo, c'est Aristide Robertson, et Chérisme Roseli, Sylvestre Emmanuel également, et l'Espérance Dudy. Mais la noter pour Zélie, hein, dame ça, lui, ses concubines, yon gang qui est Dominique et ses connus. Mais qui t'a gagné une liaison pour être avec le groupe gang et 400 Marozo. Alors, moi, que ça comme mon bilan partiel, mais c'est certain que ma paix gagne plus parce que vous connaissez que l'opération quoi des bouquets, c'est pas une opération qui était faite hier simplement, mais c'est une opération qui est terminée depuis bien des jours. Au niveau de la Croix des Bouquets, et objectif opération, c'est pour déstabiliser, c'est pour éradiquer même les réseaux de gangs qui a évolué dans la zone Sahara, et dont et 400 Marozo et l'autre gang qui en est bio. Alors, c'est plus opération, hein, et depuis bien des jours que nous sommes dans la zone et Croix des Bouquets, hein, et opération Sahara, et l'Italien appuie, et commissariat et Croix des Bouquets, l'Italien appuie, et soit et BRI, BLDS, DLVV, PIM, SIMO, et puis commissariat tabac. Et est-ce que nous perdons des agents de police? Heureusement, je parlé avec le directeur départemental qui occupait zone 2, l'ouest 2. Il a dit, heureusement, nous n'avons pas gagné un policier qui est blessé, nous n'avons pas un policier qui mourut, heureusement. Et nous avons gagné un véhicule de police qui était au niveau opération, c'est sur théâtre opération, qui a gagné des projectiles, au total 6 à 7 projectiles, et sous corps et machine police. Il y a une image qui a circulé, je vous dis, comme quoi, il y a un agent et Udmo qui a mouru. Et image ça, il circule en pile, nous, on policier qui couchait à terre.
qui mouri. Est-ce que la police confirmé que tu as un policier qui mouri aujourd'hui dans zone là? Ma peine ou image là, parce que comme travail mes porte-parole et les moelle parler dans source là, demander explication et demander pour capable vérifier authenticité image là. Alors comme ou prend là au dépourvu parce que nous pas planifié pratiquement et échange là. Mais nous devons peut-être être dans quatre points de bouquet. Hein? Mais à savoir pour tout ça, et n'a pas de public tantôt, excusez-nous tout, et excusez-nous tout même, pour que next, pour que nous en mesure pour nous bailler presque tout sorti comme une question. Il y a des gens qui toujours critiquent la police, surtout dans la route Matisseur, et il y a des blindés qui toujours circulent entre cette Bernadette et Matisseur 23. Blindé ou qu'on prison, mais ça pas empêché que, selon des citoyens, bien sûr, que Negio après camion, au vu et aussi de blindé ça yo, y a filé monté en roue. Présence blindé sous route Matisseur, et qui y a fait qui ça? Qui voit lui dans l'univers? De toute façon, écoute-moi, la police d'abord, c'est la sécurité, c'est une question de perception d'abord. Mais le fait que ou pas abandonner totalement zone là, et blindé à lui-même, livre, équipé pour policier à lui-même, et capable de faire point fiction, capable de faire patrouille, parce qu'on connaît que zone ça, et gagner plusieurs cellules du camp, et qui généralement même font tirer sur blindé. Et si nous avons évité, côté que blindé ça, au niveau base là, ou après que il essuie plusieurs impacts de balles. Ça veut dire donc que et le plus souvent que tire en direction blindé, alors faut policier à lui-même protéger tête, et ça fait que toujours lui-même était à bord blindé. Mais par contre, on connaît que pour que nous capables de faire opération de masse, c'est l'élément des stratégies, l'élément des renseignements, l'élément d'ensemble de dispositions pour prendre. Et commandant chef là lui-même était élaboré dans ce sens. Même quand il fait une interview avec Valérie Lima sur Vision 2000, et côté qu'il était adressé, il était parlé comment la va adresser question Matisse. Alors, on a considéré et réponse que le commandant chef là, et bien, une émission Vision 2000 à l'époque. Opération toujours à continuer dans la base 400 Marozo. C'est Jean Doulan, c'est pas hier, mais seulement, mais c'est bien des jours, cap et vers zone Guadé Bouquet, hein, et surtout avec de cellules de gang qui pratiquement voulaient monter pour capable étaler dans zone là et d'en profiter justement. Espace ça que nous connaissons que population brachée et surtout population paisible qui a coûté nous quoi des bouquets pour nous porter collaboration avec la police nationale. Nous toujours dit que en matière de sécurité, nous avons un partenaire qui est extrêmement important pour nous, qui est la population, pour nous toujours en appui avec la police et pour que ensemble, nous-mêmes avec la population, avec les frères, avec nous qui dans un an, pour que nous capables de mettre ensemble pour nous permettre de raquer pour l'activité. Et pour ça fait, c'est ensemble avec la police pour que synergie d'action ça les développer pour que nous capables éradiquer, éclater cellules de gang et mettez maintenant collègue bandit au conduit devant la justice. M'a reprendre pour encore et bon c'est pas reprendre m'a reprendre ça un pile auditeur Abdila surtout monde quoi des bouquets monde quoi des bouquets mandé la police s'il vous plaît pas prendre pause continuez frapper m'a reprendre encore monde quoi des message en pile là et Gary Desrosiers. OK, moun yo dit toujours continuer frapper pour nous. Moun yo dit pas abandonner. OK, mandé pour nous pour la police continuer frapper. Nous voulons coopérer zone Rue Falaise là dans quoi des bouquets. Faut que faire un petit main zone ça tout. Gon l'autre ami qui écrit, il dit policier wa bien frapper quoi des bouquets la guerre Henri. Yo décourager Marozo ak bal. Chaque jour plus passé 20 machines, 3 blindés. Moun yo dit nous pas prendre nous presque bon. OK. Ça veut dire nous presque rivé et on paré mon yo dit yo paré pour capable et collaborer. Gien zone Kota Micho, zone La Falaise. Mon yo dit et yo sous ça, on aller, pas prendre pause. Tout à fait, guerrier, nous tendez doléances population moi et au commandement toujours à l'écoute et tendez doléances moi même m'appelle et transmettre ensemble de doléances population à travers sur vous porter la parole à responsable et au niveau de la police nous animer de volonté et de détermination et simplement nous croyons que population lui-même la vie n'a pas cop avec nous même les que moyens nous au niveau de sécurité mais avec le peu n'a fait le maximum. Voilà, en tout cas, et moins content
si causé ça ou fait ensemble avec nous, même si n'a pas, c'est pas critiqué, non, mais nous avons une forme de dénonciation que n'a fait. Bon, ça c'est pas pour porte-parole. Dernière, vraiment dernière question, quotidien difficile, sous qu'à répondre. Bon, mon son technicien depuis ou les difficiles ou fait exactement ce que pour faire comme porte-parole. Comment nous travaillons ensemble avec l'armée d'Haïti? Est-ce que nous avons une très bonne collaboration? Est-ce que souterrain nous frappe ensemble? Radio Omega. Alors, vous connaissez que ça a été notre stratégie et vous connaissez que la situation que nous avons fait face avec Dion et nous pas qu'à publiquement pour nous dévoiler, pour nous dire publiquement ensemble de ça que nous mettons en place. Mais souvent, que nous travaillons en partenariat. Merci à Pilgari de Ozi. À bientôt. Bonne soirée. Gary Deosé avec lui, nous t'a fait un petit parler. Et un gros bonjour, un gros bonsoir avec chaque grand monde qui va regarder vidéo ça. Je dis assez 20 janvier 2022. Et matin, là, me lever, me faire cette vidéo ça pour me expliquer peuple haïtien, pour me expliquer l'état pays, pour me expliquer le monde entier ça qui a passé en bas d'Elma. Parce que bon groupe messieurs politiciens en Haïti te fait ou quoi que barricade c'est avenir. Nous-mêmes, nous avons toujours dit que la barricade n'a pas avenir aucun monde. Avenir, on jeune femme, on jeune garçon, c'est à l'école, apprendre métier, aller à l'université, c'est ça qui est avenir. Nous ne pouvons pas croire que la barricade n'est jamais avenir. C'est bagaille qu'on a brûlé contre lui qui fait que les politiciens de gang gauche utilisent propre monde qui n'ont pas de populaire, même j'avais nous, propre monde qui semble nous utiliser monde, ça contre nous pour faire mentir sur nous. Je fais une vidéo ça pour m'attirer attention nous, sur le comportement de M. Riel Maya. Sous comportement Moun Ritima, sous comportement Monsieur Soubelè. Qui s'est passé? Nous-mêmes, nos forces révolutionnaires, Genève, famille et alliés, main tout, nous avons goûté pour l'école relouvrir. Parce que nous disons ça, nous-mêmes, nous croyons, c'est dans l'éducation et que pour jeunesse sage, on la vie mieux. Nous croyons, c'est dans former tête li. Et que jeunesse ça, les capables jeunes, on la vie mieux pour famille, pour tête li et pour société. Nous ne croyons pas aucune barricade qui s'est avenue, aucun monde. Bon groupe monsieur qui n'a Riel Maya qui n'a Ritimas qui soubelle lycée Daniel Fiolet a réouvri comme il s'est réouvri et que l'école a fonctionné et que tout moun wè si moun yo commencé en confiance yo reprendre l'école yo mais qui ça n'est ça fait la journée yo pas tiré sous Delma 2 yo pas tiré sous Delma 4 yo pas tiré sous Delma 6 déboutant d'elle fait 8h 9h 10h du soir mais c'est ça au tombé tiré ni sous Delma 2 ni sous Delma 4 ni sous Delma 6. Son façon pour zone n'a pas jamais reprendre vie. Bon équipe malheureux malheureuse qui dans Riel Maya. Bon équipe malheureux malheureuse qui dans Ritimas. Bon équipe malheureux malheureuse qui Delma 2, Delma 4, Delma 6. Moun yo besoin vivre en paix. Comme nèg k'ap fait politique en Haïti, c'est sous do nous. Yo toujours a mettre charge. Je dis à nous faire vidéo ça pour le monde entier ka konnen ki sa k'ap passé. Nous même nos forces révolutionnaires Genève famille et alliés main tout. Dans moment là objectif nous c'est ouais dans zone côté que n'a vivio toute l'école nationale qui gagne toute l'école l'état l'école privée qui gagne et que pour un climat de paix et que pour l'école ça yo capable reprendre pour ti moun yo capable venir prendre mot sur pain instruction jodi a m'pense que et monsieur qui dans Riel Maya monsieur qui dans Ritimas monsieur qui soubelle monsieur fait respect nous suspend faire mentir a faire moun croire que n'a goumé nous besoin territoire pour faire qui ça. Moi même après exemple réellement à son plan amélié. Bon, si mon réellement intelligent, faut que tu as quitté lycée Daniel Fiolé fonctionner parce qu'après lycée Daniel Fiolé réellement a possédé, réellement a pas gagné encore. N'a pas menti, a dit on besoin prendre réellement et contrôle réellement et contrôle et territoire besoin. L'aime prendre réellement, ça me va faire dans réellement. Canal on fait les sentiers a besoin. Descend en bas d'Elma pour nous garder pour nous. Descend en bas d'Elma après quantité business qui gagne. Descend en bas d'Elma après si tout business monde ça va fonctionner. Descend en bas d'Elma pour nous voir est-ce que gen business moun la et qui a pris un sonné moun la dan. Ça veut dire que ça n'a pas menti. Et puis, comme nous, jeunes politiciens de grain gauche qui a supporté nous, parce que eux même c'est dans vagabondage là, et dans des autres là, et dans fait si moun malheureux et malheureux, moun qui dans même couche sociale avec nous, et dans fait moun sa yo, pas capable de jouer une instruction, là yo besoin d'utiliser yo pour yon kadi yo barricade se avenir yo. Monsieur, nous même encore une fois, me fait cette vidéo, ça m'a pas prêté. M'blé le monde entier qu'on est, m'blé peuple haïtien qu'on est, m'blé l'état haïtien prend responsabilité pour nous sécuriser moun ki nan ghetto yo. Parce que moi-même pas j'aime faire mentir pour m'a dit comme ça avec et wash a bouter moi gien. Moi nous prend comment ti vagabond sous belle arrière, ça gien boule fol là. Ti vagabond créer les totoa,
moi nous pour un petit vagabond sous belè vi retourner vin appeler de vin faire menti vin abradoter vin dire comme pour territoire nous besoin réellement pour faire qui ça retenant rôle nous pas tirer sous Delma 2 retenant rôle nous pas tirer sous Delma 4 retenant rôle nous pas tirer sous Delma 6 n'a pas si même m'a jambe et défendre tête moi ouais qui moment utiliser défendre tête moi parce que toute action mérite une réaction m'ai capacité pour me défendre tête moi moko jambe attaquer nous m'ai toujours là pour me défendre tête moi Kounya la journée, ou tant que matin côté m'a fait vidéo là, le fait que l'école là ouvri là, yo pas tiré. À soir là depuis fait 8h, 9h, 10h du soir, yo tombé tiré ni sous Delma 2, ni sous Delma 4, ni sous Delma 6. Faut que l'état prenne responsabilité dans ça qui a passé en bas Delma là. Encore une fois, moi tout le monde connaît me défendre tête moi et moi j'ai capacité pour me défendre tête moi. Moi juste dis ça pour petite malheureux malheureuse, moun qui sorti dans même couche sociale avec nous pour yo ka joindre mon sopé instruction. Qui ti moun ki l'école nan lycée Daniel Fiolé et ti moun Delma 2 Delma 4 Delma 6 et ti moun réellement et ti moun Ritimas et ti moun ki pi mal yo ki l'école nan lycée moi même de l'école lycée Pétion lycée Fiomé et petit moun ki pi mal yo kal nan lycée jodi a kite l'école la fonctionner besoin l'école fonctionner n'a mande ministre éducation nationale la m'pa jam pa la avant mais à travers vidéo ça prend responsabilité comme homme d'état prend responsabilité pour faire l'école la fonctionner prend responsabilité pour ti moun moun ki pi mal yo ka gen ti moun sur éducation encore fois monsieur kap tire yo moi même moi passer tout moun la kay mwen lord moi passer tout moun la kay mwen lord pa tire un coup de balle avec monsieur ouais même les soir là nous être la kay nous n'a tire m'passer nèg mwen lord parti un coup de balle parti un coup de balle parce que nous être la kay nous n'a plein de tirer et que pour terroriser moun dans zone faire moun dans zone paix après nous gen et moun ki dans politique nous gal rele pour dire que ça c'est barbecue qui vient attaquer nous nous gen moun dans politique nous gal rele pour nous faire comprendre que c'est moi même qui pas les zones fonctionner on fait vidéo ça pour l'histoire et pour la vérité depuis nous attaquer m'a défendre tête moi toute action nous fait sous même m'a font réaction pas parce que nous font action là moi même gal camper garder nous font action là 1 mois 2 mois 4 mois 6 mois 1 an 2 ans après m'a réagir avec des pour attaquer moi même m'a contre-attaquer encore une fois m'a pas engouement avec aucun monde. Nous faisons vidéo ça, nous demandons au ministre de l'Éducation nationale, on l'autre fois encore, pour prendre responsabilité pour l'école qui est dans le quartier populaire. L'école qui est dans le monde qui est plus mal, pour l'école ça est capable de fonctionner. Nous avons parlé avec Jimmy Cherizier, dans nos forces révolutionnaires, Genève, famille et alliés, main tout. Contibec extrêmement intéressant, c'est un petit lit, li maré dans 20 âmes. Toi qui disposes de toutes choses. Nous faisons interview. De 40 minutes environ, nous disons en pile causé. Li, te promets nous que la fonti causé avec nous, mais d'ailleurs, nous t'es annoncé que la plat, et puis li décliné peu après nous fin annoncé l'un, et très très rapidement, et sous question accusation, et RNDDH ou bien Pierre Espérance fait à l'endroit de juge Gary clairement et accusé juge là comme quoi juge après l'argent nommé directeur général police là on bon il prend 2 millions on l'autre bon dans mon monde que et Pierre Espérance pas cité non mais information clairement montré que c'est Paul Denis et même parlait tout de et quatre policiers ont libéré c'est à on somme de 25 000 dollars US que monsieur t'a empoché et très rapidement ça monsieur répond de ça yo. Il dit qu'il rejette ça catégoriquement. Il dit que c'est menti, Pierre Espérance a fait sur lui. Mandé pour qui raison. Il dit qu'il par contre pour qui raison, mais Pierre Espérance sans doute a travaillé pour des organisations criminelles, etc., qui voulaient sa image lui-même, un juge qui est honnête. Qui honnête, qui a fait travailler de manière indépendante avec en plus de transparence. C'est ça en gros que le DIM sous question accusation que Pierre Espérance fait sous lui. Justement, c'est aspect ça plus que nous avons laissé ensemble avec lui. Mais est-ce que, bon, c'est vrai que l'instruction, on le dit de très souvent, et elle est secrète. Cependant, est-ce que monsieur a avancé de trois éléments? Sous enquête l'étape menée hein, des bagages que ni moi-même ni vous-même qui paraît nouveau dans le cadre d'enquête sous le mot assassinat et Jovenel Moïse.
Non, interview ça, on te posait la question sous greffier, hein, parce que Pierre Espérance a accusé un greffier qui travaille avec lui. Juge Gary Aurélien fait qu'on est automatiquement premier. Oui, mais on t'a commencé à courir, lui-même il te prend une décision contre greffier, elle était sanctionnelle. Et c'est une raison qui fait un jour là, nous sommes capables de l'impression qu'il n'y a pas de fin dans le dossier, parce que tout simplement, doyen qui pour l'autre greffier pour travailler à continuer pas qu'au jambes l'autre est greffier et donc c'est ça que fait l'ifonti campé pour l'instant. Mais pour me retourner son premier question pour ce poser là, juge l'a pas considéré tête les comme ils ont juge qui t'a traité dossier Jovenel Moïse là à plusieurs reprises. Lydie c'est lui qui a traité dossier et jusqu'à maintenant dossier il est still dans même et il fait qu'on est si greffier si doyen te bal greffier semaine lundi à là il gagne l'autre bagaille l'autre acte d'enquête que le tabral posé donc lui juste attend doyen fait qu'on est décision que doyen prend et pour le pas un projet pour pas faire droit à deux mois que je fais la décision ça pas bien aucune conséquence sous façon que lui-même l'a traité dossier au contraire l'a continué. Maintenant pour me répondre à une question qu'on posait mieux juge l'a fait qu'on est poser la question il fait qu'on est que le débarras est normal et il croit que Jovenel Moïse a besoin de justice et lui-même l'a pas gommé pour que lumière faite sous question ça gagne. Si on a besoin d'écouter l'intégralité de l'interview, ça, qui côté la venue? Souvenons-nous sur diverses pages Facebook, sur toutes les réseaux sociaux, parce que tout un monsieur prend l'interview, pour poster sur page, il n'y a pas aucun problème, il peut mettre diffuser, mais tout côté, il y a marqué où il y a un juge Gary Aurélien, sous réseau social là, il y a une interview. Mais page principale là, c'est Unissons-nous sur YouTube. Par contre, juge Gary Aurélien a publié plusieurs notes, li adressé à CSPJ, note pour la presse. Bon, c'est demain, note sera publique, mais elle était vraiment exclusivité. Et m'a transféré où note ça, peut-être on est capable de lire pour vos trois là. Sans problème. Ok. Opinion sous Andy, déclaration Pierre Espérance fait contre juge là. Et comme n'est qu'à faire analyse, comment comprendre très rapidement? Ça veut dire que il y a des gens qui disent c'est des accusations, il y a des gens qui disent que Pierre Espérance c'est voué la montée, Mais mis à part de ça, il y a l'autre cause qui a parlé tout. Comment l'offre des juges là et autant de ou lire probablement rapport RDDH, qui sont dit tout même? Qui opinion fait de ça? Moi-même, sincèrement, Gary Henry, m'a dit que m'a suivi à Espérance longtemps dans le dossier Jovenel Moïse. Et pour moi, ces prises de position sont très, très intéressantes. Je pensais que Pierre Espérance, il a un objectif, Pierre Espérance en mission, Pierre Espérance, il parle, ouais, juste Gary Aurélien. Je n'ai pas dit ça, il dit là, c'est pas vérité, c'est pas ça, je me dis du tout. Mais je me songeais depuis l'heure, doyen tribunal a été choisi, juste Gary Aurélien. Depuis même joie, Pierre Espérance était qui t'a frappé. Ça veut dire position Pierre Espérance dans li très très intéressé et c'est pas des bagages objectifs que Pierre Espérance a dit. Maintenant sur les accusations de Pierre Espérance, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, pas qu'on est, mais là encore l'autre problème parce que m'a li rapport RNDDH là moins ouais plusieurs bagages que m'pas comprendre. Pierre Espérance a fait rapport sous enquête qu'a fait sous dossier assassinat Jovenel Moïse. La téléphone on bon une série de monde qui vient de citer dans le dossier et puis lui a changé on l'autre bon une série de l'autre monde qui vient non dans le dossier ça on pas comprendre du tout. Par exemple citoyen ça qui gagne maison de location de voiture ça dans tout pays sérieux dans toute justice qui a fonctionné dans le dossier ça. On juge à toujours vrai des citoyens. On ne pas comprendre comment Pierre Espérance fait obtenir comme ça pour la défendre citoyen ça. Alors que n'est-ce pas une maison de location de voiture, etc. C'est dans le milieu de louer machine que vous avez la parole. La brutale touille Jovenel Moïse. C'est normal pour juge la RLL. Si juge la RLL n'y pas répondre, juge la n'en doit
en tant que monde qui a enquête ce dossier pour forcer les vignes de communication. Donc, on ne pas comprendre comment Pierre Espérance fait à défendre citoyens à mon bord. Et puis, de l'autre côté, il est très à charge contre mon de l'autre monde. Deuxièmement, comme je l'ai dit, sous rapport enquête, sous rapport NDDH Sotia, c'est que Pierre Espérance a parlé de DCPJ, par exemple. Il dit que le juge, là, il interdit DCPJ continuer à mener enquête. Mais juridiquement, ce n'est pas possible. Une fois DCPJ définit voyer rapport préliminaire, là, une fois que juge là, il peut saisir le dossier. Une fois que le commence l'instruction là, automatiquement, DCPJ n'a pas qu'à continuer à faire enquête encore. Ça, c'est la loi. Si DCPJ a un acte d'enquête que le supposé réaliser, c'est le juge d'instruction qui a bail DCPJ mission par commission rogatoire, etc., pour que le capable faire ça. Mais juge là, pas qu'à mener enquête. Ils ont pas. Pour DCPJ, on l'autre bon parallèlement mener enquête. Il va correct. Exactement ça. Ça n'a aucun sens. Et moi, une fois que nous avons deux barrages, rapport, ça, MDDH, t'es sorti là, tout prendre, parce que pour moi, ce n'est pas un bagage qui est objectif. Moi, je ne t'inquiète pas, clairement, je dis la soya. Et si on voulait me prouver, et moi, Gret Mario Lemgil, il y a des bagages, peut-être qu'il parle avec de Pierre Espérance, il ne peut jamais dire dans la radio. Moi qui comprends la relation. Parce qu'en Haïti, on est une hypocrisie enragée. Il y a des gens qui comptent les gens. Il y a des gens qui comptent les gens ici, mais ils ne peuvent jamais parler de les gens. Ils parlent d'offre qu'on a d'avoir. Et puis, ils ne peuvent jamais prendre des positions, malgré de la défense de les gens. Mais je pense que Pierre Espérance, dans le dossier Jovenel Moïse, c'est ça qui fait et l'organisation l'a existé. Et non seulement dans le rapport, mais tout économiquement. Parce que l'inopposition, côté que les gens défendent les gens, ils dérangent les gens. Et tout le monde là, ni c'est le monde qui est impliqué dans l'enquête là, ni c'est le monde qui a une suspicion sur lui, l'a brassé tout, l'a brassé tout. Et, mais bon, il y a des débats, peut-être que Mario l'a dit bientôt, ou bien s'il veut, on l'a, dans la question RNDDH, n'a pas été ça. En tout cas, merci un peu. C'est ça que Gary Henry, moi-même, le map gars des coumans, Pierre Espérance, a boumé pour citoyen ça, qui a été casa. Non, pas celle libre où elle pas parler de où elle où elle pas gagné sur question Covington non. Mais si par exemple au monde t'a présenté au dossier Covington son qui t'a supposé la guerre là bientôt, mais au côté démarche t'es commencé à fait, l'argent t'es commencé à le débloquer. Ça veut dire que mais monsieur trouve l'opposition d'ailleurs qui l'est. Coupé frisier. Fais-moi que dis ça. L'analyse que me fait par rapport à Kajan, Pierre Espérance a parlé dans le dossier, ça, c'est que juste Gary Borreliel a un gros problème avec monsieur parce que c'est pas on est. Pierre Espérance n'a pas de contrôle, juge là. C'est ça pour elle a parlé du DCPJ parce que il y a un contrôle de trois policiers, enquêteurs dans le DCPJ qui a parlé avec tout le temps, etc. Mais Gary Borreliel, c'est pas on est que le contrôler. Donc ça, c'est une raison qui a fait monsieur très hostile avec Gary Borreliel parce oui, que oui. Bien aimé. Tout ça, mais vraiment tout, contre tout ça qu'a fait dans l'enquête. C'est ça fait la batte pour lui jeter Gary Aurélien pour que doyen lui-même soit capable bailler l'autre juge qui sont dans l'équipe LIA, un juge avec lequel il est très très à l'aise parce que les stars, c'est comme si lui a mené l'enquête. Qui a mené l'enquête là? C'est ma position. Tout ça pas capable d'édouaner et on dit juge-là, puisque c'est à juge-là et avec une enquête très sérieuse qui pour clairement prouver est-ce que effectivement juge-là te prend l'argent ou pas. Ça veut dire que nous pas qu'à dire juge-là te prend l'argent ou bien pas de précop. Moi, je regrette juge-là choisi, malheureusement, pas parler avec moi, assure, elle te parle avec vous. Bon, m'connais que mon cap dit qui est ce qui gère rien en matière d'interview. Et d'ailleurs, tu es beaucoup plus gentil que moi dans question interview. Mais moi regrette que juge là il désiste. Wendy fait merci en pile pour ti. Oui, on t'a dit comme ça que juge l'a dit, il garder dossier, c'est il garder les dossiers. En tout cas, gars, partager justement m'a gagné pour m'entendre et moun qui veut t'entendre il a pris pour canter la parole, qu'a toujours aller sur unissons nous pour capable suivre et entrevue ça, Wendy fait réaliser avec juge Gary Aurélien
qui lui-même t'a gagné dossier et assassinat Jovenel Moïse dans men l'état instruit. Malheureusement, et doyen décidé par bail prolongement sous question ça. Merci un peu Wendy, à bientôt. À bientôt Gengi, à bientôt. Un peu love. Voilà, et Wendy Fell et métier ça a une capacité pour nèg gen sou par l'école, Valeste. Fon di nèg un pile nèg qui peut-être était des téléphones qui besoin faire émission soit des ordinateurs, bah ça faut à l'école lui pour faire bien, hein. Oui. Bah là on gens pour le faire, faut à l'école lui pour capacité pour faire ça. OK. Il a cassé fait nous. Jourilien. Oui. Oui, peut-être yo dit que pour prendre la parole là, par là mon cher. L'impossible là-bas. Vous comprenez? Il a cassé fait. Et commissaire comment est? Bon. Vous comprenez? Mais je pense que là on est fort pour mais puis il y a toujours une position ça hier. Mon cher m'a bon menti. Moi même parler avec Marie-Hélène Gilio expliquer me des rapports qu'a sorti, rapport tout au départ l'intéressé. Pierre vive de ça ou elle a fait là et de ça le vive. OK? Bon du Pierre Espérance vive de ça ou elle a fait là. Prend d'ailleurs rapport pas les écrit. J'ai un gros doute que Pierre Kai qu'on rapport. J'ai un pile doute sur ça. Parce que l'autre Pierre qui a parlé, ou un gros doute, mais c'est l'autre monde qui écrit rapport yo. Et ça très important parce que Villes toujours dans NDH et monsieur Villes était quitté. Villes Aliza. Par contre, il tournait même sur il était quitté. Mais c'est de ça vive, OK? Mais moi regrette que juge là pas gain bring assez li pas retourner dans l'émission, OK, li pas retourner dans l'émission ça, li pas décider parler, mais juge là t'avoir causer juge là, d'avoir causer avec lui. Malheureusement, il va parler. Est-ce qu'il prend l'argent, est-ce qu'il pas prend l'argent? Ça et n'a essayé garder ça. Mais nous même bon côté pas nous, nous joignent deux trois petits éléments d'information, OK? Et pour nous capable dégager pour nous comment capable faire ça. Merci un peu le français exactus.